Bonjour à tous, c'est Blochart, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Frostpunk. Comme vous pouvez le voir, on a 11 heures de charbon reste. Il va falloir augmenter voilà de 300 notre capacité, donc je pense qu'avec un... comment on appelle ça? Un extracteur hydraulique en plus, ça devrait le faire, vu que ça doit occuper normalement... Enfin, ça doit fournir 560 par jour. Ils ne sont pas armés. C'est un piège pour que nous baissions notre garde, les lords sont malins. Ces sangsues feront tout pour se venger, c'est une certitude, mais non, tu vas voir. Alors, on est pas loin d'avoir nourri tout le monde. Pardon. J'ai Steam qui s'est mis en plein écran, je sais pas pourquoi. Alors, on a assez pour faire un nouvel extracteur hydraulique. Voilà. Promesse tenue. Et qu'ils auraient de la nourriture, impec. Boum, le mécontentement qui redescend. On est bien là. Là, on est bien. Extracteur à vapeur. Donc, on part sur quoi? L'amélioration des scieries, je dirais. Ouais, 25% d'efficacité des scieries, ouais. Ouais, j'allais en mettre ici, mais non. C'est trop tard. Ici, qu'est-ce qui se passe? Poste de collecte. Oui, non, mais non. Il va être construit, t'inquiète. On va en mettre 6, des ingénieurs, on va en mettre ici. Et ici. Et on va espérer que ça tienne, tout ça. Dire qu'est-ce que c'est le bâtiment que j'ai pas... Pourquoi il y a encore des malades? Alors ils ont atteint abri brisé. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Bateau de pêche et dameuse. Voilà la dameuse je pense. Ah non, 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 on va aller... Oh, on peut pas les atteindre eux. Oh, mais ils sont combien? Bah non, vous allez à la dameuse, hein, vous. Ils arrivent dans 11 heures. Ça va être tendu. Il va falloir qu'ils bossent, les mecs. Quoi? T'es sérieux? J'ai pas tenu ma parole? Mais attends. Ah ça a pas suffi, mince. Eh ben désolé. Ils arrivent dans 5 heures. Les lords en approche, ouais je sais. Je sais, je sais, je sais. On peut passer une nouvelle loi. On va partir là-dessus. Ouais, on va le faire le temple direct. Ça joue pas sur quelque chose en particulier le temple, d'accord. Et bien on va te mettre là. Non, parce que là je vais vouloir des postes de collecte. On va te mettre là. Ok, ça remonte. Amélioration des scieries, ça c'est impec. Putain, je recherche rien comme con. On va partir là-dessus. Porter des foyers. Deux fois plus de charbon. Sinon, c'est où? Non, on fait les dortoirs. Ouais, on va faire les dortoirs, ça va chauffer les maisons, ça va être mieux. On voit que ça remonte la température, ça y est, les lords arrivent.
Et je crois que c'est que Lord Craven, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mon dieu, ils sont si nombreux. Ils sont là, les lords, sont là. On va le faire, on a deux jours, on va le faire. Oh putain, ils sont 100 les mecs. Waouh, mais vous êtes fous. 100. C'est une blague. C'est une blague. On va essayer de vous chauffer déjà. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on peut en chauffer 50. Enfin on peut en héberger 50. 60. 70. Ben ouais, 100. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Voilà. Ici, on va juste faire ça. Ici. Voilà, et ici. Puis avec l'acier qu'on a, on va s'en servir pour faire les maisons. Enfin, les dortoirs. Par contre, les gars, vous allez bosser, je vous le dis. Donc déjà... On va en mettre là. On va en mettre là. On va construire une deuxième station de forage. Mine de charbon, voilà. Tac. On a plus de bois, je sais. Lord en haillon. Les lords affamés sont entrés dans la ville. Notre peuple n'est pas content de leur arrivée. Les lords, par contre, sont heureux. Merci, merci à vous, braves gens. Nous étions condamnés sans votre intervention. Et on a plus de bois. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez atteint, la dameuse? Encore de l'acier, poste avancé, vieux dépôt. Voilà, au vieux dépôt, elle a pas du gain. Et les 53, là, je sais pas ce que je vais faire de vous. Ok, on arrive à nourrir tout le monde. Temple construit. On va arriver à loger tout le monde. On va réessayer de chauffer tout. On va faire un autre atelier pour que ça aille plus vite. Voilà. Et les 54 autres mecs. Bah les cabanes de chasseurs. Il va falloir que j'améliore la bouffe là. Dans les technologies. Ah si si, j'ai nourri tout le monde. Capitaine Nanelord meurt de faim et demande des rations supplémentaires pour lui et ses proches. On va augmenter le mécontentement, c'est pas grave. Ok, les maisons sont construites. Ici on va mettre des ingénieurs. On a plus de bois, donc on va pas pouvoir augmenter grand chose. La petite sauvegarde à minuit. Quoi d'autre? Le peuple demande l'égalité. Certaines personnes sont outrées que vous ayez donné une diration. C'est la même chose qu'Alan. Nous avons travaillé dur pour cette nourriture quand il fait rien. Les durations que vous aviez données, nous voulons 100 rations pour nous. Merde. Là, ça a piqué. J'ai fait une connerie. Non, ça va. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ok, encore de la bouffe. On chauffe aussi. On va faire un autre poêle vapeur, on n'a pas le choix. Ah non, celui-là il est... Ah, c'est eux qui sont pas touchés.
Donc en fait, il m'en faudra un là. Bon, on le fera plus tard. Autre inconnu aperçu, t'es sérieux? Ah mais oui! L'ordre en approche, ouais. Donc ouais, bon, on va récupérer les lords après. On rentre, on ramène les trucs et on récupère les lords. Alors, vous avez atteint le vieux dépôt. Boyeux recrue, ça tombe bien. 50 vieux recrue, c'est déjà ça. Donc vous ramenez tout, 21h, et vous irez chercher les lords après. Non, le générateur va pas s'arrêter. La population est désespérée. Pourquoi? Pourquoi vous prenez leur défense? Vous les traitez comme des princes? Mais non. Ben, les mecs, ils ont galéré, ils ont faim, ils ont fait des conneries, mais ils ont faim. Mais non, t'inquiète. Alors, niveau 2, on revient. Les dortoirs, c'est bon. Alors, tactique de chasse. 5 ouvriers de moins. On va rallumer les chauffages. Voilà. C'est quoi ça, froid? Toujours froid, mais on va pas pouvoir faire mieux. Peut-être faire les cambuses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Les dortoirs, ouais. 20 bois, 10 acier. Alors, déjà, on va faire ceux qui sont froids. Ensuite, ici. Putain, il y a des décès, ça y est, ça commence. La fin des haricots. Antenne radio. Si tu veux. On va y aller. On va le mettre là. Et on va juste faire ça. Voilà, on va y faire un fouet de vapeur. Je m'inquiète pour le charbon là. Changement, je pensais que ma foi était morte il y a bien longtemps, avec ma femme, avec mes filles à Londres. Je n'avais pas trouvé un autre but dans ma vie, ma survie. Mais aujourd'hui, lorsque je suis entré dans le temple, j'ai vu un futur pour nous tous et je suis prêt à l'embrasser. Cool. Ah ouais, je vous ai dit, on va avoir des morts dans ce scénario, je sais pas trop comment faire mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est ressources. Tac, tac, et est-ce que je peux en placer un? Ici. Comme ça, normalement, oui, ouais. On a plus de bois. Alors attends, chasse en volant. Ou alors c'est réchauffé. J'ai combien de... Ouais. Enfin, c'est réchauffé. Attends, c'était quoi ce bruit? Donnez à manger, j'y vois rien. On est à 90 sur 97, ça va être fait. Assurez-vous d'avoir des maisons confortables. On a 2 sur 19, j'imagine c'est eux. Même pas. Toi t'es froid aussi, putain. Oh, y a des morts de partout. Tendu. Ok, ils sont rentrés avec masse de choses. Ah putain, on peut même pas stocker tout le truc. Ils arrivent à combien, c'est con? Putain, 60, 65, mais c'est dingue.
On va faire les hôtels, comme il en faut 3. Hôtel, alors. Hôtel, ça joue sur les... Ok, ça joue sur le lieu de travail, donc... Ici, typiquement, il serait bien. Putain, il aurait fallu un bout de rue, là. Quelle heure il est? Minuit, donc on va pas faire les dortoirs de suite. Voilà. Là, je touche un max de monde. 1. Ah, c'est vraiment que là, en fait, hein, que j'ai du monde qui bosse. Bah, 1, 2, alors. Et là, on a le charbon aussi. Bon, on va le mettre là. Ok. Ici on y met du monde. Ici aussi. Le générateur va s'arrêter, c'est magnifique. Est-ce qu'on va avoir le temps de passer la nuit avant qu'il s'arrête? Oui, je pense. En tout cas, j'espère très très fort. Ouf, ça va être chaud. Hôtel construit, l'espoir augmente. On repère de la température. Lui, on peut le remettre. Ouh, ça picote. Ça picote légèrement. Alors, attends. Voilà, c'est bon. Non, toi, t'es pas besoin. Toi, t'es quoi, froid, ouais. Toi, t'es froid. Toi, t'es gelé. Toi, t'es gelé. Et là, ça va poser problème. Car... Car en fait, tous les malades sont pas au travail. Résultat... Résultat... Oh putain, mais les lords sont arrivés en fait. Résultat, il y a moins de monde au boulot. Où est-ce qu'il y a froid? En fait, il chauffe rien, tous ces trucs. Elle est où ta rue? Là? Pff, la scierie, presque, il en faudra un ici, en fait. Je touche les deux là, même pas. Ça devient chaud, ça devient chaud. Ça c'est quoi le cimetière hein? Ouais. On a que 5 morts finalement. 6, 7. ici il fait froid. C'est quoi? Poste médical, je suis désolé. Ou des rations, on en a plus fort qu'en faire. Alors attends. On va faire des dépôts de ressources. Au moins pour l'ivre cru et l'acier. J'ai un fouet de vapeur là ou pas? Non, c'est un hôtel. Ah putain, c'est chaud, c'est chaud. Faut vraiment que j'augmente... j'augmente ma capacité de charbonnage. Les lords malades sont ici. Allez, on prend tout le monde. Alors, putain, vous êtes 100 encore, mais c'est ouf. C'est ouf. Partez au mode radio. Malades mais fiers, les lords malades sont parmi nous, mais notre peuple essaie de rester à distance autant que possible. Les lords ne prennent pas. Ne le prennent pas bien. Ils nous regardent avec tel dégoût, un tel mépris. Notre dignité n'est pas diminuée parce que nous sommes malades, dit l'un des lords. Entre des quintes de tout.
Donner à manger, je comprends pas que ce soit pas fait, mais... Alors attends, juste, c'était quoi? C'est réchauffé. Ouais, en fait, c'était pas la priorité. Il va falloir passer niveau 3, là. Et du coup, on va en profiter. Alors attends, qu'est-ce qu'on a débloqué? C'est réchauffé, ouais, non, mais c'est pas une priorité, ça, finalement. Habitants. Un dortoir, tant pis. Voilà. C'est combien? 20, 10. Un de plus. Toi, Siri, il n'y a plus rien. Ok. Vent d'espoir. Capitaine, des gens ont commencé à laisser des chapelets, des perles et des messages religieux, comme des offrandes dans les hôtels. On dirait que cela améliore leur morale dans ces temps difficiles. Putain, il y en a 146, 100. Oh. Oh, mais ça va jamais être... Ah non, c'est parce que j'ai amélioré des maisons. J'ai eu très 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 peur. N'ont pas été comblés. Mais écoutez, allez vous faire foutre les lords. Les lords. Ok, c'est le moment de jouer avec ça. Boum boum. Davantage de lits, je vais ouvrir un nouveau poste médical si tu veux. Habitant. Habitant, habitant. Une. Deux. Trois. Et puis ça ira bien. Il y en a qui vont dormir dehors, il y en a qui vont mourir, mais écoutez, vous n'avez qu'à pas tous venir au même point en fait. Oui, je sais, promesse non tenue. Ouch, ça pique un peu. Je peux pas passer de nouvelles lois, mais en même temps, 6 maisons de guérison. Ah, je peux pas la faire encore. Bon, on s'arrête ici, on va juste lire un petit message à Rumeur Dangereuse. Capitaine, certaines personnes font courir des rumeurs folles à propos des lords malades. Ils disent qu'ils sont contagieux et que si l'on ne garde pas nos distances, on en tombe malade aussi. Laisse parler les gens. Ouais. Bon, niveau charmant, ça va, on a ce qu'il faut. Mais alors après, on est juste. Lui, il peine à chauffer. Non. 8h, 18h. Toi, t'es même pas connecté à la route. 8h, 18h. Non, même pas 24h, il y a des logements. Pourquoi t'es pas connecté en fait? Quel niveau c'est pas connecté là? Non, après ça revient au générateur, on est d'accord? Ouais. Je sais pas, écoute, dans le doute on va faire ça. Ouf, j'ai même plus de bois. Ouais, bon. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Ça commence à devenir compliqué, mais j'avais déjà dit ça à l'épisode précédent et on a quasiment doublé notre population. Un enfant sans abri pour la nuit. Non, on a beaucoup d'enfants sans abri pour la nuit. Bon. On verra comment on arrange tout ça dans l'épisode prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play.